Yo tout le monde, ici Monsieur Boss Minecraft Nat, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur ma série Les constructions de bâtiments principaux. J'espère que vous allez très bien, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on va se revoir pour réaliser ceci, ce bâtiment. Certains vont dire c'est une maison, mais en fait c'est une boucherie. Ouais, je sais que c'est un peu zarbi, mais j'ai trouvé que c'était pas mal dans ce genre de choses. Comme ça. On va juste faire un tour en mode style. Ah, c'est cassé. Bon, faudrait surtout pas que je montre que c'est cassé. Voilà. Suis tellement un big. Non, je me suis trompé. En fait, on va refaire F1. La petite souris là comme ça, bon c'est pas. Alors aujourd'hui on va réaliser ça. C'est un en fait un commerce. C'est un au début vous faites une ligne. Alors ce sera là-bas, ce sera du 13 sur 14. Alors vous aurez une sorte de carré. Quand ce sera fait, le carré, vous détruirez le bloc, chaque bloc qui se situe en coin, comme ça. Voilà. 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 Et voilà. Et puis vous détruirez deux blocs de chaque côté comme ça pour que ça fasse l'entrée. Alors on va peut-être commencer. C'est par oui. Bon. On va peut-être commencer par peut-être faire l'entrée. Enfin, le truc le plus simple. Alors pour ce bâtiment, bon ça ce sera pour tout à l'heure. Vous aurez besoin de. Alors moi j'utilise du verre. Alors vous aurez besoin. Bois de sapin, bois de chêne, planche de bouleau, bien sûr de la dalle en pierre, des barrières, des escaliers en pierre. Puis ça a l'air bon. Après pour le décor on verra plus tard. Par contre, pour les portes, ce serait peut-être mieux de placer en premier les portes, non? Ouais. Alors en premier, on va placer les portes. Donc vous prenez des portes en fer et des portes en bois. Les portes en bois seront utilisées pour les clients, pour qu'ils rentrent normalement. Et les portes en fer seront utilisées pour l'espace réservé aux membres des. Employés. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et voilà. Vous le rebouchez ce trou à l'aide d'un brin de sapin fait comme ça. Voilà. Là. Ensuite, je sais pas combien d'étages. Une, deux, trois, quatre. 4. Ok, dac. Dac. Okay, juste 4. Juste 4. Ok. Alors, vous prenez ensuite les barrières. Et vous faites 4 de longueur. Donc, 1, 2, 3, 4. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Voilà. Peut-être en plein jour. Voilà. Alors, dans chaque recoin du mur de. Une, deux, trois. Oui. Vous allez mettre trois longueurs de. Une, deux, trois.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, vous remplissez avec le reste des planches de chêne. Alors, on va pas tout remplir. On va laisser aussi de l'espace pour pouvoir mettre de la lumière quand même. Donc, on va mettre des fenêtres 2x2. Donc, je pense qu'au-dessus des... Non, nous n'allons pas en mettre. Et ensuite, sur les côtés comme ça, ce sera du 2x2. Voilà. Oui, là, là, là. Voilà. Donc, vous avez fait la fondation et la base. Simple. Maintenant, on va remplir. C'est un petit détail qui compte, mais si vous voulez changer ou mettre autre chose. Ah oui, ici j'ai oublié qu'on ne mettait rien. Faudrait que je fasse. Et pour finir, voilà. Et ici, l'espace réservé uniquement pour les clients. Alors, pour référencer, on va faire une sorte de petit trottoir ou passage, comme vous voulez, pour une ville. Vu que ce tuto, je fais ça pour la ville. On va peut-être commencer par là. D'ailleurs, je vais commencer les premières fondations de ma ville, pour ceux que ça intéresse. C'est-à-dire que je vais faire un monde plat. Au début, je voulais faire un monde, ma ville sur un monde normal avec les biomes, mais vu qu'il y avait des montagnes, et tout ça, en fait, ça allait, c'est plus simple. Après, ça, si on veut faire de la mer ou autre, ce sera difficile, mais bon, c'est pas grave. La pancarte qui signifie que qu'on aura tout fini, on la mettra après. Mais pour l'instant, on va mettre les décorations. Enfin, les décorations d'extérieur, quoi. Donc, j'aurai plus besoin de ça, plus besoin de ça et plus besoin de ça. Donc, limite, on peut prendre juste ça. Donc, moi, j'avais tenté à faire ceci au début, mais je me suis dit qu'il y avait trop de. Donc on va faire juste ça. Ouais, ça ira parfaitement. Ici, on... Voilà. Donc là, la base est faite. On va juste mettre... Ah oui. Voilà, donc on rentre. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper maintenant de l'intérieur. Donc vous pouvez tout casser.
Vous pouvez tout casser le sol. Et on va mettre le parquet. Le parquet en bois. Alors ce sera, alors je vais ouvrir un serveur, ce sera un serveur commun. Bien sûr, ceux qui veulent y venir, eh ben vous avez juste à, il faudra juste remplir une sorte de formulaire simple. Voilà, une sorte de formulaire. Alors certes, certains vont dire ouais, mais t'es pas connu, donc ton serveur ce sera de la merde. Mais dites-vous que pour l'instant nous sommes 6, 6 à travailler dans le même projet. Alors certes, on est 6, c'est peu. Mais pour quelqu'un qui n'est pas connu, comme moi, franchement, c'est, ça va, ça. Peut passer. Ça peut aller. On est 6 à travailler sur le même projet, hein. Ça veut dire que certains, ça veut dire que, certes, ça se voit pas parce que certains veulent faire des vidéos de Call of, des trucs comme Egg, mais on travaille bien ensemble. On travaille bien sur le même projet, on a les mêmes idées. Bref, voilà quoi. Bien sûr, on recrute, hein, parce qu'un serveur, vu que c'est beaucoup de travail, on recrute tout le temps. Voilà, donc quand le parquet. Alors on n'aura plus besoin de ça, plus besoin de ça. Voilà. Là aussi on va en mettre. Porte en fer. Ah en fait non, en fait ici on va juste mettre, t'as vu les portes en fer. Voilà. Pour pouvoir juste nous passer. Et après, on. Après, le problème, c'est que, ouais, comment on va faire pour passer? De l'autre côté. Non. Alors, on va faire. Alors, voilà. Donc, ça. On va sortir. Alors, ça, c'est la base. Voilà, donc ça c'est la base de la boucherie. Normalement, la boucherie va devoir ressembler à ceci. On va juste vite fait faire un tour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bon, 5, ok. Ok. Voilà, donc ça doit ressembler à ça. Alors au début, certes, la construction, vous dites, ouais, c'est moche, mais vous verrez qu'avec. Les décors et tout, ça ira parfaitement. Voilà. Alors ensuite, on va faire maintenant la boutique. La boucherie, la véritable. 1, 2, 3, 4, 5. À partir du sixième, vous mettez. La pierre taillée. Oui, on va aller plus vite. Non. Je crois que c'est de la pierre taillée qu'il faut mettre. Ou non, on va mettre de la lampière, voilà. Une, deux, trois. Trois. Donc voici votre espace de travail et voici l'espace de travail AE. Vous allez prendre ensuite du verre, donc on n'aura plus besoin de ça, on aura plus besoin de ça, plus besoin de ça, plus besoin de ça. Ouais, bref. Et vous remplissez comme ça. Alors, à quoi ça va servir? Si nous mettons des briques. Non, si nous mettons en fait du verre, les gens ils vont pouvoir passer par-dessus. Même si nous. Aussi si nous mettons autre chose. Donc là, c'est la partie client. Voilà. Je vais juste aller voir. Ah, il va pleuvoir. Je vais juste aller voir comment.
Comment ça se passe? Donc, viande crue, 5 crédits, viande grillée, 10 crédits. Alors ensuite, vous... Enfin, de pancarte, voilà, comme ça. Alors, viande crue, alors... Alors, je mets plus 5. Plus 5 crédits. Non, on va peut-être mettre un espace. Plus 5 crédits. Peut-être un cas. TS. Ouais, TS. Et viande grillée. Plus 10. Alors pourquoi je fais ça? Justement, c'est pour qu'on... c'est les prix en fait. Là, on va commencer à faire les prix. Voilà. Mais avant, alors là, on va mettre... Et donc on va faire un système en fait d'échange. Très simple, on met de l'eau par-dessous le mur. En jetant notre objet, le courant de l'eau va l'amener vers nous et nous on va donner la marchandise où le courant va faire le chemin inverse. Donc on va mettre recevoir marchandise et entre parenthèses monnaie aussi. Voilà. Donc les pancartes. Ah non, les pancartes, c'est pas encore fini. Ah oui, ben justement, on aura besoin en fait des barreaux. Ensuite, vous prenez le seau d'eau. Alors ici, vous allez mettre dans ce sens. Vous allez de l'autre côté. Et d'ici, vous faites dans l'autre sens. Voilà. Alors ici on va mettre une sorte de coffre, vous savez, caché. Alors les coffres c'est ici. Voilà. Donc ici en fait il y aura toutes les armes et toutes et en fait ce sera en fait c'est un coffre caché, c'est un peu comme la caisse. Ce sera la caisse en fait du oh putain, j'ai un trou de mémoire. Oui, ce sera la caisse de la boutique. Voilà ça. Il sera caché bien sûr par ceci. What the fuck? Pourquoi ça pouvait marcher avec... Ah voilà. Non. Voilà. Donc normalement c'est comme ça. Voilà. Ici vous allez prendre le panneau et vous allez mettre. Donner. Monnaie. Et là on va mettre... Reçu monnaie. Voilà, simple. Ensuite, on va faire à gauche. Donc, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. À gauche, on va faire une belle pyramide de four. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, merde. 5. Ensuite. Comme ça. Et comme ça, voilà. Voilà, au moins vous avez beaucoup de four et vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Et alors, j'avais envie de faire aussi pareil. On va voir ce que ça va donner pour les tables de crafting.
Ah. Alors au début, je voulais en mettre deux, simple, ou trois là. Mais je pense que ouais, ce sera mieux trois, parce que là, ça va pas du tout. Voilà, donc trois tables de crafting pour pouvoir crafter les armes pour pouvoir tuer les animaux. Alors normalement, si vous faites bien la ville ou votre truc, j'avais fait un tuto avant sur Minecraft qui consistait en fait. Ah, attends, je consistais aussi déjà dans le thème de la boucherie à tuer deux espèces d'animaux au choix grâce à un spawn. Grâce le spawn qui est relié par derrière un système de qui est relié par un vous savez là le truc un piston qui derrière le piston et système est relié d'un système de redstone continu en cercle. Et en s'activant, le piston va faire, ben, il va s'activer. Et le spawn. Va spawn un monstre en dessous. Voilà. Donc c'est en fait une technique assez simple. Alors si vous voulez pas vous casser la tête, vous la faites juste derrière votre boucherie. Si vous, lorsque quelqu'un vous demande quelque chose, c'est un peu la chambre froide, hein, on va dire. De l'autre côté, on va mettre un peu de. Alors, en fait, ici, on va ensuite, soit on fait ça pour la queue, ce qui pourrait être simple. Ah non, en fait, on va faire ceci pour la vente. Voilà. On va faire deux en un. Ou soit laisser comme ça. Deux, une, deux. Oui, après l'espace, c'est pas l'espace qui manque, mais. Voilà, j'hésite en fait. Ce serait peut-être plus stylé, non? De mettre directement. Ouais, c'est. On va essayer. Alors, on va faire un test. C'est qu'on va prendre de l'herbe parce que vu qu'on va mettre les animaux ici, il faudrait qu'ils se sentent chez eux. Peut-être. Pourquoi? Parce que peut-être grâce à ça, la marchandise sera peut-être, la nourriture sera peut-être meilleure vu qu'ils vont se sentir chez eux. Alors peut-être, ouais, ici on va peut-être. Juste mettre ça, voilà. Mais sinon, voilà, ici, on peut dire qu'on peut mettre ceci là. Ouais, ça fait stylé. Ça fait une sorte de petite prairie dans un magasin. Waouh, mes références. Ouais, certains vont me dire, mais mets tes références. Tu fais là, toi? Il a dû être attiré par la lumière. C'est pas enfui? Comment il a fait pour s'enfuir? Ouais, en fait, au début, je leur avais réservé un petit espace comme ça. Je sais pas comment il a fait pour s'enfuir. Ça doit être un petit spawn, un bug. Bon, c'est pas grave. Œuf de cochon. Voilà. En fait, au début, vous avez vu, je leur ai donné. Alors, cochon et vache. Alors, non. Cochon et vache 10. Ok.
cochon et vache 10. Ok. Ok, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Ok. Donc là, on va mettre un cochon. Allez, on va peut-être en mettre deux. Voilà. Là, on va mettre deux moutons. Alors, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça et on n'a plus besoin de ça. Ensuite. Non, pas villageois, je m'en fous des villageois. Poule. Vache. Mouton. Donc j'avais dit mouton là aussi. Bon, on va aussi en mettre deux, tant qu'à faire. Voilà. Et ici, j'avais mis des poules. Et deux vaches. Voilà. Ça fait, en fait, ça fait une sorte de petite ferme. Ici, on va mettre un panneau qui va signaler. Alors, mouton 20 crédits. Cochon 10 crédits. Voilà. Et ici, non, pas ça. Vache. Vingt crédits. Poule. 5 crédits. Alors en fait, c'est 20 crédits de l'animal. Par exemple, si vous en commandez deux, vous allez devoir payer le double, ainsi de suite. On va essayer de les faire en couleur, ce serait mieux. Alors, il faut... oui, des objets. Alors, on va peut-être les faire en rouge et en jaune. Ce serait bien. Déjà en jaune et en rouge. Ce serait bien. Ouais, t'as vu, ça gratte le, ça mange le parterre. Voilà. Tu sais, c'est bien. Tu sais, t'as la clientèle qui attire. Oh, putain, de la jeune, truc comme. Voilà. Donc, ils ont un peu plus d'espace que l'autre qui avait à côté. Voilà. Ensuite, notre espace boucher, je crois qu'il est terminé. Oui, je crois. Oui, il est terminé. Une belle petite ferme. Une bonne petite femme. Et maintenant, on va s'occuper de la chose la plus difficile, c'est-à-dire le toit. Vous aurez besoin d'escalier, peut-être de ça, de verre, je m'en rappelle très bien. Voilà. C'est tout. Alors pour commencer, de ceci, en passant sur le côté comme ça. Je me créerais sur serveur une sorte de grande maison avec une grande ferme. Voilà. Ensuite, pourquoi je vais là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il faut. Ça a été mieux. Ah oui. Voilà, je m'appelle comment j'ai fait. Voilà, oui, en fait, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Alors, on va faire, vous allez faire le tour. Attendez. Oui, je... Régler mon casque qui commençait à me mettre... Vous faites le tour. Voilà.
Voilà. Vous faites le tour. Je sais pas combien dure la vidéo. J'espère qu'elle va pas trop durer longtemps. Là, je suis en mode fatigué parce que j'ai fait beaucoup de trucs aujourd'hui. Donc là, je suis en mode fatigué. Sinon, je pourrais vous dire que j'aurais putain de pété la forme. Voilà. Donc ensuite, comme ça. Donc vous, on va commencer le toit. Simple. Voilà. Donc vous allez commencer par remplir déjà le premier paquet là. Donc en fait moi ma grande spécialité c'est de mettre à jour certains bâtiments lors de leur construction initiale et de en vidéo. Voilà, je sais pas ça, je sais pas pourquoi je trouve que c'est mieux. Déjà j'ai amélioré certaines choses par rapport à l'autre comme vous avez pu le voir. Donc on va mettre. Ah oui, j'ai oublié qu'il fallait du bois. Peut-être que. Ceci à la place. Attends, on va réfléchir. Ah bah tiens, on va faire ça. On va mettre un truc comme ça. Et on va mettre une planche de bois. Quel est le meilleur? Surtout qu'après, il va falloir le remplir avec des verres, du verre. Ah, même si je trouve que ça c'est meilleur, je viens de me rendre compte que ça fait un peu trop moche. Donc, on va être tenté par du bois. Alors, bah, juste par contre, combien il va falloir mettre? Trois, quatre, cinq, six et sept. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ah, là pour une fois, ça n'a pas fait le double. Ensuite. Donc, une. C'est aussi simple que ça. Ah oui. Il y a un petit lag. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh merde, je me suis bourré. C'est ça qui me bourre à chaque fois. Donc attends, on va voir si c'est bien comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Ouais, we are a problème. Normalement, ça doit être ça en dessous. De toute façon, on va. Faire comme ça, hein. 3. 4. 5. 6. Non, we are a problème. Ah, voilà, j'ai compris. J'ai compris, je me trompe à chaque fois. Donc, une. Ouh, il y a eu un bug avec ma souris. Tourniquet. Ah bah en fait, il faut encore faire un étage supérieur.
Ah non, il y a un problème. D'accord. Alors en fait, je me suis complètement bourré. C'est qu'en fait, fallait le faire sur le côté. Et non comme ça. Mais je viens de me rendre compte que ça, c'est tellement moche. C'est pour ça que j'y arrive pas depuis tout à l'heure. Vu que c'est un nombre impair. De toute façon, c'est pareil, hein. Ouais, de toute façon, c'est exactement pareil, hein. Et quand vous avez fini, ouais, c'est encore même mieux. Vous remplissez de verre. Simple. Je ferai au moins une vidéo une fois tous les 2 ou 3 semaines. Après, je sais que pour un youtubeur comme ça, c'est pas vraiment conseillé de faire ce genre de choses. Par contre, qu'est-ce qu'on va mettre en haut? Ah, je sais ce qu'on va mettre en haut. Pour que ça fasse style, on va mettre ça. Voilà, simple. Ça fera style. Ah ouais, ça fera style. Ouais, trop stylé. Trop stylé. Petit problème de micro, désolé. Voilà. 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 Ah merde. Voilà. 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 Et voilà. Voilà, simple. Simple, clair, net, précis. Ça va être en fait, je viens de remarquer que ça va être encore explosant tout. Voilà. Pas parfait. C'est encore 10 fois mieux que. Quelle heure il est? 36. Je crois que j'ai commencé vers. Ouais, je pense que la vidéo elle est en train de tourner depuis 20 minutes. Je pense. Y pense. Y pense qu'est. Voilà. Et maintenant, il reste à faire, à en fait remplir le toit. Voilà. Bon, ça va prendre, ça, c'est chiant parce que ça va prendre du temps, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de cases à mettre, ça va être pas mal. Ah ouais, à moins qu'attends, non, je devrais pas faire ça. Non, je devrais faire encore mieux, encore 10 fois mieux. Je vais faire ceci.
Ouais, là on va faire. Ah mais ah oui bah voilà, c'est pour ça que. Mais alors au lieu de le mettre comme ça, je pense qu'on aurait dû peut-être le mettre en bois peut-être. Ouais, ça aurait été mieux. Ouais, ça aurait été mieux. Parce qu'au moins, si le truc il brûle, la pierre elle va pas brûler, c'est juste ça qui va brûler. Parce qu'au moins, si par exemple il y a la foudre qui tombe. Oh non, en fait c'était mieux. Bah, au moins, j'ai mis la brique parce que si au moins un jour la foudre elle tombe, il n'y aura aucun effet puisque c'est de la pierre. Et la pierre ça craint pas. Voilà. Donc ça me fera sur autre chose. Et deux sur mes. Et deux autres sur les polices. Alors au début, certes, certains vont dire ouais, c'est nul. Mais voilà. Mais ça me fera quand même mes 10 premières vidéos. Et ça se fait. Voilà. Et notre boucherie sera officiellement terminée lorsque. Voilà, donc on a fini la boucherie la nuit, ce qui est pas vraiment super, mais bon. Je sais pas comment j'ai fait pour en avoir 3 alors que le bug il en met que 2. Ah, je t'ai vu. Voilà. Les bases de la boucherie sont off. Et voilà. Et maintenant. Boucherie. Ce serait bien si on le met vers le milieu. Boucherie. Et voilà. Notre boucherie est terminée. Le bâtiment, hein, je parle. Un petit visite de l'intérieur. Nous arrivons. La marchandise. Très belle forme. Un test de sécurité. Perfectionné. Parfait. Pour le prochain tuto, nous allons. Construire une nouvelle maison de ma nouvelle série Les maisons dans Minecraft, parce que dans un serveur c'est bien de faire des. Je le répète, c'est bien de faire des maisons, des bâtiments comme ça, mais il faut aussi penser aux maisons, comment la population elle va vivre. Et puis après nous penserons à autre chose. Voilà. Donc voilà. Donc c'était juste 10 secondes. J'ai fait un screenshot.
Merde. Voilà, F5. Donc c'était Monsieur Boss Minecraft Nat qui vous a présenté la boucherie Minecraft, le bâtiment officiel, et qui vous dit à plus.